Bonjour à chacun, bonjour à chacune. C'est un plaisir de pouvoir partager quelques réflexions avec vous dans cette vidéo. Je m'appelle Thierry Juvet, je suis pasteur et avec mon épouse Monique, nous sommes les fondateurs de l'Institut de l'honneur. Ça signifie que notre ministère s'oriente très clairement sur la question des relations, sur la question de la culture de l'honneur, sur la question de comment être en relation les uns avec les autres et n'est pas directement dirigé vers la question de la guérison. Par contre, c'est avec joie que je me suis mis au service de l'Association internationale des ministères de guérison pour en prendre la vice-présidence et soutenir son président dans les compétences qui sont les miennes, de manière à ce que ce ministère de guérison puisse se développer. Le thème de cette vidéo, c'est de se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une relation entre les ministères de guérison, le ministère de guérison et la culture de l'honneur, les ministères qui se préoccupent des questions relationnelles, des questions liées à tout ce qui relie les êtres humains. J'aimerais essayer de répondre à cette question en quatre points, avec une petite conclusion à la fin, de manière à ce que nous puissions essayer ensemble d'avoir une compréhension de finalement ce mystère, parce que je crois qu'il y a en effet une relation entre la culture de l'honneur et le ministère de guérison, entre des relations saines et la guérison elle-même. Et nous allons en parler ensemble. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que je crois que ces deux réalités, la culture de l'honneur et la guérison, sont deux valeurs fondamentales du royaume de Dieu. Et dans ce sens, elles sont en lien. La culture de l'honneur, c'est-à-dire des relations saines, est en lien, est une valeur fondamentale du royaume de Dieu parce qu'elle prend sa source au cœur même de qui est notre Dieu. Notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit est un Dieu trinitaire, un Dieu qui donc, à l'intérieur de lui-même, vit des relations. Relation entre le Père et le Fils, relation entre le Fils et le Saint-Esprit, relation entre le Saint-Esprit et le Père. Notre Dieu est un Dieu relationnel et ça fait partie de sa personne même, un Dieu en trois personnes, comme on le dit dans la théologie. Et dans ce sens, lorsque nous avons été créés, créés à son image, comme nous le dit la Bible, nous avons été créés, nous aussi, comme des êtres relationnels qui avons besoin les uns des autres et qui devons être en relation pour grandir et pour pouvoir fonctionner. Le grand commandement d'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est donc un commandement qui touche à cette question relationnelle. Nous sommes des êtres relationnels à l'image de Dieu. Et lorsque nous soignons nos relations, nous soignons notre manière de représenter Dieu sur cette terre. De la même manière, la question de la guérison est une valeur fondamentale du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au cœur même du royaume de Dieu, il n'y aura plus de maladie. La santé fait donc partie des valeurs fondamentales du royaume de Dieu. Et la santé a été affectée par le péché. Le salaire du péché, comme dit la Bible, c'est la mort. Et la maladie, elle est mortifère dans le sens qu'elle veut diminuer la vie et parfois même, malheureusement, conduire jusqu'à la mort. Ainsi, lorsque nous prions pour une personne malade, eh bien, nous prions dans le sens du royaume de Dieu, de la même manière que lorsque nous soignons nos relations, nous vivons dans le sens du royaume de Dieu. Alors j'aimerais tout de suite dire ici et le dire fortement que je ne suis pas en train de dire qu'une personne malade
est forcément une personne qui a péché elle-même et que sa maladie est la conséquence de son péché. Non. L'humanité pécheresse a comme conséquence que la maladie habite ce monde et que nous en subissons à certains moments les conséquences. D'ailleurs, Jésus a répondu à cette question lorsque les disciples lui ont demandé si c'était à cause de son péché ou du péché de ses parents que l'aveugle-né, si je me souviens bien, était aveugle. Et Jésus a clairement répondu que ça n'a rien à voir avec le péché personnel. Donc, lorsque nous parlons culture de l'honneur ou lorsque nous parlons prière de guérison, nous parlons de valeurs fortes du royaume de Dieu, nous parlons de l'essence même du royaume de Dieu, à savoir la santé et l'amour qui y règnent. Le deuxième point concerne ce que nous appelons les personnes puissantes. Qu'est-ce que c'est qu'une personne puissante ? La culture de l'honneur contribue à produire pour chacun et chacune d'entre nous des relations saines. La culture de l'honneur contribue à avoir une culture encourageante pour que chacun d'entre nous puisse grandir dans son potentiel, dans ce que Dieu a voulu, dans ses qualités et dans son appel et son ministère. La culture de l'honneur donne donc naissance à des personnes encouragées qui elles-mêmes à leur tour vont être encourageante. Ça signifie que la culture de l'honneur bannit des relations toutes les questions de comparaison, de compétition, de jalousie, d'infériorité et de supériorité. La culture de l'honneur permet à chacun et à chacune d'exercer les dons que Dieu lui a donnés, le ministère que Dieu lui a donné, sans être justement dans la comparaison avec la personne d'à côté qui exerce elle aussi son ministère, ses compétences et son appel. Dans ce sens, la culture de l'honneur donne de la sécurité. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'autre que celui que je suis. Il n'y a pas besoin d'exercer un ministère différent de celui que Dieu m'a donné. Donne de la sécurité aussi parce que je vais être encouragé dans mon ministère par les autres. Or, quand nous voulons prier pour des malades, nous prenons des risques. Nous prenons des risques parce que nous ne savons jamais ce qui va se passer, nous ne savons jamais comment Dieu va répondre ou non à notre prière, et nous prenons le risque de nous engager dans une prière en direction de la guérison. Nous prenons le risque de demander la guérison à notre Dieu. Ainsi, lorsque je prie pour un malade, les gens autour de moi, dans la culture de l'honneur, ne vont jamais être dans une attitude de dire « Voyons voir comment ça va se passer ». Voyons voir si il a la bonne onction ou la mauvaise onction. Voyons voir si Dieu lui est favorable ou ne lui est pas favorable. Pas du tout. Dans la culture de l'honneur, ça va être « Waouh, super, il a prié pour un malade, il a osé prendre un risque, nous nous réjouissons du risque qu'il a osé prendre. Nous nous réjouissons du fait qu'il a osé cette prière. » Le troisième point dont j'aimerais parler avec vous dans cette vidéo, c'est celui justement de la prière elle-même. La culture de l'honneur est une culture qui démontre aux autres notre amour pour eux, qui démontre aux autres la valeur que nous leur attribuons, que nous leur accordons, que nous voyons chez eux, et démontre aux autres la compassion que nous avons pour eux. Dans ce sens, au moment où j'exerce la prière de guérison dans l'honneur, je vais voir le malade non pas comme une occasion d'exercer mon ministère, mais comme une personne souffrante
et je vais être capable de m'approcher de lui avec cette compassion que j'ai exercée par ailleurs par la culture de l'honneur. C'est d'autant plus vrai lorsque la prière de guérison demande de la persévérance. Finalement, même si c'est un risque, c'est assez facile de prier pour quelqu'un une fois et après de ne plus jamais revoir cette personne. Mais lorsque la prière de guérison demande de la persévérance, un engagement dans la durée auprès de quelqu'un qui est malade et qui souffre, alors on va voir à quel point notre attitude d'honneur va être utile pour persévérer dans cette prière, pour accompagner la personne, pour garder sur elle un regard d'espérance, un regard de foi, un regard, j'ai envie de dire, comme celui de Dieu sur la personne. Et dans ce sens, la culture de l'honneur est très importante pour exercer une prière de guérison qui soit une prière aimante, respectueuse et capable d'aller dans la durée. Et enfin, le quatrième point qui m'intéresse dans cette vidéo est celui-ci. Une communauté qui vit la culture de l'honneur ne perd plus ses forces dans des questions relationnelles. Les questions relationnelles peuvent être extrêmement mangeuses d'énergie, que ce soit pour maintenir des bonnes relations, que ce soit pour régler des difficultés, pour régler des problèmes, ou que ce soit pour se demander « mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi ?» ou « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ceci ou cela ?» Une communauté qui vit la culture de l'honneur ne perd plus des forces dans les relations. Au contraire, les relations lui donnent de la force. Et dans ce sens, cette communauté va pouvoir se concentrer sur les ministères qui sont au cœur d'elle-même. Va pouvoir se concentrer sur l'exercice des ministères, l'exercice de la compassion, l'exercice de l'amour pour l'autre, dans une action concrète. Une communauté qui exerce la culture de l'honneur est une communauté en accord avec la valeur du ciel, cette valeur relationnelle dont nous avons parlé au début. Et dans ce sens, une communauté en accord avec le ciel est une communauté qui ouvre le ciel, de manière à ce que la prière que Jésus nous a apprise, sur la terre comme au ciel, puisse recevoir des exaucements. Une communauté qui vit la culture de l'honneur est comme une fenêtre du ciel ouverte pour que des réalités du ciel puissent couler sur cette terre. Et dans ces réalités, il y a la puissance de guérison, les miracles qui vont avec. Une communauté qui vit la culture de l'honneur est une communauté qui peut consacrer son énergie à répandre sur cette terre la valeur de guérison qui se trouve dans le ciel. Elle a l'énergie pour cela. Et dans ce sens, elle est un écrin pour que la puissance du ciel puisse être déposée en elle et qu'elle puisse à son tour l'exercer sur ce monde. En conclusion, je voudrais vous dire ceci. Nous devons rechercher la guérison. Nous devons favoriser les ministères de guérison. Nous devons rechercher le don de guérison. Parce que c'est une promesse de Jésus, c'est un ordre qui nous est donné. Parce que en faisant cela, nous allons chercher dans le ciel des ressources pour cette terre, des ressources dont cette terre a grandement, grandement besoin. Mais de la même manière, nous devons rechercher l'honneur, la culture de l'honneur, parce que c'est la réponse à la prière de Jésus. Qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est intéressant de voir que cette prière de Jésus est une des rares dont nous ayons le contenu.
Et si nous en avons le contenu, c'est parce que le contenu est important. Quand Jésus prie qu'il soit un comme nous sommes un, il n'est pas simplement en train de faire une prière pour la cosmétique de l'Église. Il est en train de faire une prière pour l'Église et pour la mission qui sera la sienne. Et la mission n'est possible que dans l'unité. Parce que la mission, pour qu'elle puisse s'accomplir, demande la puissance. Et que la puissance de Dieu ne peut se déverser que sur une communauté capable de vivre des relations honorantes. Sinon, au moment où la puissance de Dieu se déverse, et généralement ça se passe par une ou deux personnes, alors remontent en surface toutes les relations blessées, toute la comparaison, toute la compétition, toute la jalousie. Et les relations malsaines vont faire que les gens autour de ceux qui exercent la puissance de Dieu vont se retrouver dans une attitude de jalousie et vont devenir des espèces d'éteignoirs de la puissance de Dieu, plutôt que de se mettre au service des ministères qui exercent cette puissance de Dieu. Nous sommes responsables d'avoir des relations entre nous suffisamment solides pour qu'elles puissent résister à l'exercice de la puissance de Dieu. Et dans ce sens, il y a un lien extrêmement important entre la prière de guérison et la culture de l'honneur. Mon vœu, c'est que vous soyez pris dans un exercice de l'honneur tel que vous vous sentiez en sécurité pour prier pour les malades. Mais aussi que vous soyez pris dans une culture de l'honneur telle que vous soyez capable de vous mettre au service de celui ou de celle qui exerce le ministère de guérison, qui exerce la prière de guérison et dont l'appel de Dieu sur sa vie est la guérison. Au moment où nous vivrons ce genre de relation, au moment où nous serons capables de nous mettre au service les uns des autres, sans compétition, au moment où nous serons capables de servir l'autre avec un cœur de roi, au moment où nous serons capables d'exercer des ministères de puissance avec un cœur de serviteur, alors je suis sûr que nous verrons la multiplication de la puissance, nous verrons la multiplication des miracles. Nous verrons la multiplication de la prière de guérison. Je crois profondément qu'il y a un lien entre la prière de guérison et l'honneur, deux valeurs fondamentales du royaume de Dieu, deux valeurs qui démontrent la beauté du royaume de Dieu. Je crois qu'il y a un lien fondamental entre la culture de l'honneur et la prière de guérison, dans le sens que la culture de l'honneur permet l'émergence de personnes puissantes, permet l'émergence de personnes bien dans leur identité, bien dans leur ministère, et qui peuvent l'exercer en toute sécurité sous le regard des frères et des sœurs. Je crois qu'il y a un lien puissant entre la prière de guérison et la culture de l'honneur, dans le sens que l'honneur, c'est la démonstration de notre amour. Et que nous avons besoin de démontrer notre amour à des personnes malades lorsque nous prions pour elles et lorsque nous prions pour elles avec persévérance. Il y a un lien fort entre la culture de l'honneur et la prière de guérison dans le sens d'une communauté forte, d'une communauté solide qui peut recevoir cette puissance de Dieu et qui peut se réjouir qu'elle soit exercée par l'un ou l'autre de ses membres qui eux-mêmes ont reçu un appel spécifique pour exercer ce ministère de guérison. La guérison, tout comme l'honneur, font partie du plan de Dieu pour l'Église. Et dans ce sens, je vous encourage à entrer dans l'un pour soutenir l'autre. Soyez bénis, soyez pleins de grâce et soyez heureux dans votre ministère, qu'il soit un ministère d'exercice de la guérison, ou un ministère de soutien au ministère de guérison. Amen.